Assalamu alaikum. Ce hadith-là, c'est sûr que tu l'as jamais entendu de ta vie. Hadith de Aous ibn Aous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ghassala wa ghtasal » C'est-à-dire celui qui fait le ghusl, il lave bien sa tête, il lave son corps le jour de vendredi. Écoute bien. « Wa bakkara wa btakar » Il sort très tôt de sa maison, en partant à la mosquée. « Wa macha wa lam yarkab » Et il va en marchant, sans prendre de monture. Reste concentré. La surprise est à la fin. La surprise est à la fin de ce hadith. Donc, wadana min al-imami fastama'a wa lam yalghou. Se rapproche de l'imam, l'écoute, il ne bavarde pas. Kana lahu bi kulli khutwatin 'amalu sana, ajru sana, siyamuha wa qiyamuha ya rabbi. C'est-à-dire la personne qui aurait fait ça aura pour chaque pas la rétribution d'une année de jeûne et de prière nocturne. C'est-à-dire celui qui aurait fait 200 pas pour la mosquée le vendredi en respectant ce que je viens de dire, c'est comme s'il aurait gagné, c'est comme s'il aurait adoré la Zawajal pendant 200 ans. Ya Rabbi. 500 pas, 500 ans. 1000 pas, 1000 ans d'adoration. Subhanallah. Ce hadith il est sahih. Lam yudaifu ahadun min al-ulama. L'imam Ahmed, Tirmidhi, Ibn Dawoud. Barakallahu fik akhi. Maintenant, si tu ne peux pas le mettre en pratique, au moins partage-le. Apprends-le aux autres. Tu vas avoir la même récompense. Les sœurs qui sont à la maison, poussez vos maris à la mosquée. Barakallahu fikum. Apprenez-le à vos enfants. Envoyez vos enfants, vos maris tôt à la mosquée et vous allez avoir la même récompense que subhanallah. Ne sois pas radin. Barakallahu fik. Partage ce hadith au maximum. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum. Hayyakumullah.